Miyasen Konnichiwa, aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier épisode sur les clubs d'arts martiaux. Ça va faire une série ou quelque chose que j'aurais terminé sur ma chaîne, c'est pas trop tôt tiens. Et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier qui se trouve ici. Il est tout proche quoi, il est pas loin du tout. Donc j'ai mis pour cette occasion la vraie tenue du combattant, et je crois que c'est une tenue tirée d'un film de Bruce Lee. Je sais plus si c'est pas Opération Dragon, je les ai vus, mais ça fait tellement longtemps que je les ai vus, ça doit remonter à 10 ans au moins. Il y en a un que c'était mon préféré. C'était celui où Bruce Lee se bat avec où il y a Chuck Norris dedans. Et c'était franchement c'était le premier que j'ai vu, et celui-là me restera gravé parce que c'était sûrement celui que j'ai adoré et tout. Hein, regardez la fin comme il le termine à la fin. C'était juste, c'est juste la classe internationale, ce mec. Alors, quelle voiture allons-nous prendre? On va pas se balader avec ça quand même, hein. Pilote turbo, une moto, non, ça vaut pas la classe quand même, hein. Vous avez vu imaginez la dégaine du mec avec sa combinaison là, plus sur la moto. Je crois qu'on va le faire. Oui, on va le faire. Ah, bah, le ridicule ne tue pas, hein, donc on n'est pas très loin, donc. Par contre, il y a deux ou trois mecs là qui commencent. Je sais plus où est-ce que c'est. Ils sont là. Parfois, dans l'aventure, vous rencontrez des mecs qui sont planqués, qui gardent des coffres avec de l'argent dedans. Et certains vous cassent bien les pieds. Et tu veux, toi? Ah, toi, tu vas recommencer, toi. Voilà. Le pied bouge du ciel, quoi. Donc on va reprendre un peu de vie, hein, parce que j'ai perdu un petit peu de vie, hein, avec les coups des gros. Oh non, pitié, non, serre-moi du bord, j'ai pas fait exprès de lui rouler dessus. Ah, ouf. Et bah, vous êtes pas comme un ancien épisode, donc je tourne cet épisode directement après l'autre. Non, mais c'est quoi, est-ce que tu te balades vraiment avec une tenue comme ça, quoi? Pourquoi pas, hein. Donc je sais plus où est-ce... Ah, il faut qu'on fasse demi-tour. Je suis pas un danger, moi. Alors, je pourrais mettre la musique, mais malheureusement, la musique, ça, c'est le gros problème. Oups! Ah, elle a du mal... Voilà, c'est ça pourquoi j'aime pas cette moto. Non seulement t'as l'air d'un con quand t'es dessus, mais en plus de ça, t'as du mal à tourner, quoi. Oh, oula. J'ai du mal vraiment à tourner avec ce bordel, avec ce machin, là, c'est... Mais comment on va pas appeler ça une moto, quoi? Attends, il va voir s'il n'y a pas une meilleure moto. Non, il a une espèce de... Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? C'était comme ces motos qui existent en Italie, là. Donc, on y va. On prend l'autoroute. On est fou, donc pas que je me gourde en branchement non plus. Oh là, c'est... Et bordel. Donc, j'espère que cette petite série vous aura plu, hein. Si un let's play vous tente, donc je pense faire un let's play, c'est-à-dire que je vais pas let's play, ça voudra dire que je vais ouvrir le menu mission comme j'ai fait dans la review que j'ai faite il y a pas très longtemps, je sais plus quand c'est, 3-4 semaines. Et je choisirai une mission, on enchaînera ensuite les missions si ça vous plaît, dites-le moi. Hein. Il est pas très long comme jeu de toute façon, mais comme on dit, hein, court mais intense. Merde! Putain, je déteste cette moto. Pourquoi j'ai pas acheté une vraie moto que j'utilise sur les circuits, hein? Je sais plus ce que c'est, là. En plus, je crois que je suis totalement perdu. Non, c'est là. Ouais, non, c'est ici, voilà. Nous y sommes, le dernier club, le The Last Club of this game. Et je fais n'importe quoi. Avec ma super tenue, on va déboîter déboîter des anus. non, sinon ce serait un autre film. À mon avis, moi je crois que ta tête me dit quelque chose, je crois que je t'ai souvent tapé. Ouais, c'est vraiment une arène. L'ancienne arène était plutôt grande, bon, Lost Valles sont aussi grandes. C'était celle du central qui me posait le plus de problèmes. Et j'ai eu l'impression que je passe pour un con avec eux. Avec ma tenue de mon pyjama là. Voilà! Ce coup de pied, vous l'auriez vu un million de fois, tellement il est efficace. Ça m'a permis d'en exécuter 3 là. Voilà, je crois qu'il s'est transformé en Super Saiyan. Va pas falloir le chercher.
En super hongkongais, là. Allez, au revoir, toi. Allez, salut. On va te briser la jambe. Ah, non, non, je vois pas. Ah, toi, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. En fait, je vais taper celui-là, là. Mais... Ah, lui, il est tout pourri avec son soutien, son soutien à capuche, là. Son soutien à capuche immonde, là. Allez! Allez, dis au revoir à la vie. Ah, ils auraient pu essayer de faire bouger les lèvres, hein, parce que là, ils crient, mais ils bougent pas les lèvres. Dommage. On est déjà au troisième round. Manche 3. Ah, lui, il esquive. Eh ben, tu as esquivé ça aussi. Oh. Et c'est Wei Shen, il est en même temps flic, truand et chiropracteur. Oh, ouais, vas-y, là. Le mec, il reste dans le... Le rugby, c'est toute ma vie, moi. Je suis la vraie star de l'équipe du rugby. Ah, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pour esquiver, pour faire un contre. Bah, on va lui refaire ça aussi, hein. Ah oui, je crois qu'il a mal, hein. Je me suis, mais je crois. Ah, un lutteur, et c'est toi. Ah non, deux lutteurs, hein. Donc, un qui, à mon avis, lui, il a oublié que... Quand il a choisi sa... Quand il a choisi sa taille de chemise, il a complètement oublié que c'était pas fait. Il a pris celle qui était pour enfant. Voilà, lui, on va lui recasser le dos. Ah, qu'est-ce que je t'aurais détesté, toi. Alors lui, c'est d'ailleurs le mec qui vient de frapper, il a complètement oublié. Putain, il fait chier que son coup, là. Kung Fu Naki, là, il commence à me... Oh. Alors, voilà, lui. Ah, eux, ils savent bien se protéger, mais ils sont affreusement lents quand ils font un coup. Hein, c'est les mecs, je crois qu'ils ont pas compris que le but c'était d'aller très vite. Hein. Bah, regardez, mais la lenteur à laquelle ils vont, quoi. Comment veux-tu faire mal à quelqu'un, quoi? C'est pas possible, ça, pour moi. Seul le coup qu'il vient de faire, là, c'est ce seul coup qui peut éventuellement vous surprendre. Mais là, regardez là le coup qu'il vient de faire, mais ça surprendrait un escargot peut-être, mais pas moi, quoi. Voilà. T'as trouvé ta tête contre l'asphalte, mon gros, là. Et tu iras au coiffeur, hein, parce que là, ta coupe de cheveux, c'est quand même... C'est pas ce qu'il y a de plus génial, hein. On va se débarrasser de lui, hein. Voilà, lui, ça a été le premier à se faire humilier devant tout le monde, hein. Joli, joli, ce que tu viens de faire, c'est... Ah, ouais. Comme je vous le disais il y a quelques instants, là, le coup qu'il vient de faire, ça peut vous surprendre, mais le reste... Ah, je ne comprends pas le cantonais, le japonais, c'est déjà pas simple. Pas mal, dans les films porno, il est pas non plus un plus compliqué, le japonais. Hein. Ah, bordel. Ah, toi, ah oui, t'as réussi à passer pour un guignolo, hein. Ah, ça c'est le gros problème, c'est qu'on fait un coup. Malheureusement, parfois vous pouvez pas esquiver. Donc là, j'ai eu de la chance. Donc lui, je voulais lui casser son bras, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce coup là. Pourquoi ça marche plus là? Bon, bah tant pis. Hein. Voilà! Allez, encore une fois. Ah, ça m'étonne que lui je l'ai pas attaqué parce que c'est toujours eux que j'attaque en premier tellement ils sont... Alors réessaye toi. Ah non là ça marchera pas. Et là c'est qu'il se laisse faire. Hein. Il y en a pas un qui va dire attends je vais essayer de me défendre. Et il reste plus que toi. Hein. Et voilà tiens je me disais que j'avais pas encore cassé de bras. Et bah là c'est fait tiens. Alors je crois qu'on est au dernier round. Ils sont combien? Oh, ils sont quand même trois gros. Hein. Trois mouses costauds là. Trois, quatre mouses costauds quoi. Bon, on va s'attaquer à lui, on va l'isoler dans un coin.
Voilà, c'est fait. Oh, j'ai de la chance, hein. Notre ami le tatoué, là, il veut vraiment nous frapper, hein. Putain, j'en ai eu un, regardez. L'autre, là, il a pas eu le temps de participer au combat, il s'est pris le... Bah oui, mais pourquoi t'as peur, ils ont peur, mais ils ont pas envie de prendre... Quand ils ont peur, c'est que les mecs prennent des coups. Pourquoi t'es pas venu... On est pas venu là pour tricoter, hein. Allez, vite. Ça le faisait quand je... Ça marchait au début du jeu, hein. Mais ça marche plus aujourd'hui. Vous vous éloignez trop de la zone de combat. Eh, les mecs, là, il faut revenir. Ah, j'ai pas vu le... Oh, allez, vas-y, tiens. Mais n'aie pas peur comme ça, hein. Ah, même lui, il a peur. Oula. J'ai oublié qu'il faisait ça, lui. Allez! Oui, parce qu'il est... Mais je veux dire, la police, ça a pas l'air de les inquiéter, qu'il y a des combats de rue comme ça, hein. C'est... Pour eux, ça a l'air d'être normal. Oh, putain. Hé, hey, là, tu commences à m'emmerder, toi! Ah, il a de belles godasses. Ah ouais, Bruce Lee, c'est moi, ma gueule. Ah, il reste plus que toi, donc. Tu es le dernier adversaire de ma série. Alors, comment veux-tu mourir? On va essayer de lui refaire. Non, c'est pas ça que je veux faire. En fait, je vais lui faire... J'ai du mal à le faire. Voilà, c'est ce que je voulais faire. J'ai peut-être l'air con avec mon pyjama, mais je vous ai tapé la gueule. Donc voilà. C'est la fin de notre série sur les clubs d'arts martiaux, ils ne sont que 4, hein, j'espère que ça vous aura plu, club d'Aberdeen terminé, je crois qu'Aberdeen c'est une ville aussi en Écosse, tiens. Donc j'espère que ça vous aura plu cette série, et peut-être qu'il y aura un l'esprit, hein. Pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Donc j'espère que le dernier combat avec mon super pyjama et mon super woolburn là en bas, qui aurait été magnifique. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, on va se retrouver très prochainement pour d'autres vidéos. Et je vous dis, portez-vous bien les amis. Matanée !